Bonjour les amis et bienvenue dans Dragon Ball Xenoverse 2. Aujourd'hui je vais vous faire une toute petite vidéo, très courte, pour vous montrer comment obtenir des équipements détenus rapidement. Donc pour cela, on va partir dans la maison debout. Et on va aller rencontrer tous les petits bouts que vous avez créés en nourrissant Bou lors du mode, précédemment, quoi, dans votre partie. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Le bleu donne des capsules, le rouge donne des super âmes. Et l'idéal c'est d'avoir des jaunes partout, parce que les jaunes donnent des équipements détenus. Alors, au bout d'un moment, quand vous les nourrissez, ils vous demandent, ils disent « Oh, qu'est-ce qui se passe, je me sens pas bien, je sens un changement en moi. » Et là, si vous avez un bout de couleur jaune, vous lui dites de se calmer et il restera jaune pour pouvoir vous donner toujours d'autres équipements. Si c'est une autre couleur et que vous voulez un jaune, afin de toujours avoir les équipements comme je vous l'ai dit, les tenues, et bien là vous faites attendre. Et normalement il changera de couleur, soit s'il est bleu il passera soit rouge soit jaune, s'il est rouge il passera soit jaune soit bleu, et s'il est jaune il changera de couleur. Mais l'idéal, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir surtout des petits bouts jaunes. Alors voyez là, il m'a donné la tenue de mamie voyante. Alors on va l'interpeller de nouveau, on va lui redonner de la nourriture, un poisson pitalien. Donc alors là il n'a pas proposé de se transformer, il est parti. Pour Niboshi qui est déjà jaune aussi, lui nous a donné la tenue double. Vous voyez, c'est très facile d'avoir plein de vêtements. On va lui proposer de la nourriture, un poisson pitalien, trop bon. Hop, il est reparti se balader. Donc, bon, avec la chance qu'on a, ça se trouve, personne va nous proposer de se calmer. Yo. Moi, de retour, trouvez ça en marchant. Alors, lui, le bleu, vous voyez, il nous a donné une super capsule. Yo. On va lui donner de la nourriture. Par exemple, une arène de poisson. Prends ça. Bon, bah, personne ne se propose de se transformer. On n'a pas de chance. Pas de méchant aujourd'hui non plus. Tout est calme. Voilà la preuve. Tenue de Mister Popo. Alors, donner de la nourriture, poisson pitanien. Ah, voyez, là, c'est bien. Ah, commence à me sentir plus fort. Ouh. Alors, surtout, si vous voulez continuer d'avoir des tenues, vous ne faites surtout pas attendre. Vous allez surcalmer. Si vous voulez qu'il change de couleur, là, vous faites attendre. Mais comme on veut qu'il reste jaune, on fait calmer. Hop, non, c'est pas le moment de changer. Transformation. Et il reste jaune. Voilà. Comme ça, il va continuer de vous donner des vêtements. Alors, le petit rouge qui lui donne des super âmes. Super végétaux. C'est super végétaux. On va lui redonner de la nourriture. Un crabe géant. À bientôt. Ouh. Et le dernier, Sugoroku. Tenue du héros démon. Poisson pitalien. Voilà. Donc voici un petit exemple de ce que vous pouvez faire pour garder à obtenir des vêtements facilement. Alors l'idéal, moi sur certains personnages ils sont tous jaunes. Là vous avez vu, j'avais un bleu, un rouge. Mais l'idéal, moi je préfère quand ils sont tous jaunes. Donc j'espère pouvoir changer de couleur les deux qui me restent rapidement pour avoir que des vêtements. Et ensuite vous pouvez utiliser ces vêtements pour faire des cucubangs, et ça c'est vachement bien parce que c'est quand même, ils donnent quand même des vêtements de qualité en général. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vous dire à très bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne journée, et à et à la prochaine pour une vidéo qui... sous peu, ouais, on va dire sous peu. Allez,
Salut tout le monde, ciao.